Diapo Sayo, qui a présenté l'initiative MIT Haïti. L'initiative ça a porté trois belles outils, trois belles roches pour courir l'éducation dans le lycée 2.0. Yo. En nous commencer avec un historique sur l'initiative. Nous avons dérapé en octobre 2010 avec un grand symposium de MIT qui te joint support focal avec participation beaucoup professeurs et leaders dans l'enseignement supérieur en Haïti. C'est là que nous avons fait la première planification dans un grand combat entre professeurs et administrateurs MIT ensemble avec leaders dans l'enseignement supérieur en Haïti. Sorti mars 2012, rivé juin 2014, nous avons fait 5 ateliers MIT Haïti. 4 ateliers sur apprentissage actif dans sciences et mathématiques. Et puis tout, nous avons fait atelier sur technique évaluation pour nous bien mesurer le résultat de travail là. Et puis nous avons fait un atelier sur leadership et travail en équipe en juin 2014, côté PM Lamotte et l'équipe LIA. Bon coup dans nous qui la connaît, te vin participer là-dedans. Atelier sa yo rive moyen à peu près 165 participants, plus que 35 institutions, et nous rive créer une cinquantaine logiciels pour éducation ak 6 guides sous vidéo pour logiciels kap mette laboratoire virtuel sous ordinateur pour moun kap fè science ak mathématique. En avril 2013, nous arrivons à joindre un gros support dans l'État. PM Lamotte, avec une délégation, est venu à Boston en avril 2013 pour signer un protocole accord avec MIT. Et puis, en juin 2014, ministre Maniga signe un circulaire pour créer un bureau MIT Haïti dans le ministère de l'Éducation nationale. Bureau ça pour aider dans le développement d'une stratégie nationale pour science ak mathématiques. Mission Biro Satou, c'est aider l'initiative là atterrir dans toute l'école ak toute université dans pays ya. Et lycée 2.0 yo pral permettre nous entrer bon jan méthode ak bon jan outils MIT yo dans nan système éducation en Haïti. Kounia, nous pral garder une petite vidéo qui pral ban nous un petit aperçu sur qui ça initiative MIT Haïti a yé. Depuis en 1804, qui s'est année nous-mêmes en Haïti, nous sommes arrivés pour l'indépendance, nous, puis faut l'école a fait en français. Et pourtant, en Haïti, c'est créole, puis faut dans nous parler plus bien. Mettez sous ça, puis faut matériel dans l'école, dans l'université, c'est en français qu'il écrit. Quel que soit côté où il est dans le monde, pour un étudiant, vienne un bon scientiste, un mathématicien qui est créatif, ou soit un intellectuel qui est fin, il doit être capable de participer dans bon j'embrasse l'idée, dans réflexion profonde avec camarades, professeurs, dans tout ça la paprenne. Nous même en Haïti, langue qui permet nous faire brasser de ça bien, entrer dans réflexion profonde ça yo, c'est créole. Ça c'est une raison clé qui fait nous devoir intégrer créole là dans tout niveau système éducation en Haïti. Comme ça, tout élève, tout étudiant, tout maître, toute maîtresse, tout professeur a cap à l'aise net pour yo travailler ensemble, pour yo faire brasser l'idée, pour yo faire réflexion profonde, pour yo cap venir créatif dans tout ça y a pas plan. Ça l'a fait MIT. Nous avons collaboré avec les collègues en Haïti pour nous créer bons outils, bons logiciels pour physique, biologie, mathématiques. Parce que le logiciel ça va permettre de créer un laboratoire virtuel qui va faire les élèves plus bien comprendre le domaine. Kounia, je vais présenter trois ingrédients principaux dans l'initiative MIT Haïti. Ça, c'est trois belles roches qui en bas du feu changement que l'initiative là voulait porter pour Timounio. L'initiative ça a porté un changement radical
dans l'enseignement science et mathématiques en Haïti. C'est un pile main et un pile tête, ni en Haïti, ni en MIT, qui a bâti les outils ça. Mais un pile, chai palou. Premier outil, premier roche là, c'est méthode pour apprentissage actif. Ça, c'est pédagogie participative pour nous bâtir une base solide dans la science et mathématiques pour Timounio. Deuxième outil, deuxième roche là, c'est nouveau technologie pour enseignement science et mathématiques. Ça, c'est outils et matériel numérique qui peut corriger l'utilisation pédagogie participative là. Troisième roche là, c'est langue maternelle grand majorité Timounio. Créole. C'est la langue maternelle là qui peut renforcer l'apprentissage timounio, les nous plus besoin de renforcement pour capacité. Pendant timounio a développé fondation fondamentale dans sciences et mathématiques. Qui ça pédagogie participative là y est? Ça c'est un bon antidote contre étudier pas que se comprendre. Qui ça science éducation montre nous comme pi bon façon pour nous enseigner timounio science et mathématiques. 1. Dans science et mathématiques, ce qui est plus important, c'est raisonnement et logique. Pas qu'il y a pas que pièce dans ça. L'on résoudre un problème ou soit l'on inventer une solution devant un défi qui est tout neuf. 2. Élève doit faire expérience avec bagaille ou kawé, bagaille ka manye. Pour sa fête, Timounio pa ka rete seulement dans parole qui dans livre ou bien sous tableau. 3. Élève yo doit servir avec langue qui permet yo réfléchir pi à l'aise là. Langue que yo parler pou yo ka bien expliquer sa yo penser ak sa yo wè. En Haïti, pi fo Timounio, langue sa c'est créole. 4. Pi fo activité scientifique dépend de bon jan communication. Ki fait élève yo doit servir avec langue yo parler pi bien. Puis expliquer l'idée par yo et puis boucanter l'idée avec l'autre monde. Qui c'est l'autre élève par yo, qui c'est professeur, qui c'est l'autre monde dans la communauté yo. Et ça peut tirer en pile tension dans le rapport entre enseignant et timoun yo. Enseignant yo ap kab enseigner pi relax et puis timoun yo ap kab faire apprentissage là pi relax tout. Kounia nous pas regarder une petite vidéo qui pral montrer nous pouvoir technologie dans langue maternelle pour corriger méthode participative yo. Ça nous pral wè c'est deux ti moun dans Matenwa Lagonave k'ap servi pour seulement troisième fois ak yon ti jwet logiciel pour apprendre valeur chiffre. Ti moun yo vin tellement content que yo tombe chanter et puis danser. Dans le prochain diapo, je vais faire connaissance avec une étoile. Je vais les logiciels ça, une étoile, parce que c'est une application dans une collection qui est STAR, STAR, qui c'est abréviation en anglais pour Software Tools for Academics and Researchers. Je vous dis, les outils STAR existent seulement en deux langues, en anglais et puis en créole, qui fait langue nationale noire qui prend devant un paquet d'autres langues. Et ça doit nous en pile fierté que Haïti a tracé exemple sous qui gens langue pays qui a développé tant que Haïti qui a dialogué jam avec technologie et puis la science et qui gens j'ai force qui a couru développement dans pays ça yo. Star génétique c'est un logiciel pour expérimentation dans génétique qui a fait
sous ordinateur. En nous garder, yon aperçu des étoiles ça en action. En nous commencer avec Star Genetics. Star Genetics, c'est un logiciel éducatif qui permet aux étudiants de faire expérimentation génétique sur ordinateur. L'étankou yon laboratoire virtuel côté enseignant ak étudiant ka fè démonstration nan klas et puis étudiant ka servi ak li pou yo fè devoir la kay. C'est comme ça y a ka expérimenter divers concepts génétiques de base ak sa ki pi compliqué. Vidéo sa a présenté plusieurs qualités organismes ou ka joine nan logiciel Star Genetics. La montre ou tout comment pour télécharger logiciel là à comment pour ouvrir fichier sous lui. Star Genetics by possibilité pour faire expérimentation avec plusieurs qualités organismes. Parmi eux, ou a joindre organismes modèle génétique classique tant que les vins qui bougeonnaient, ti mouche que nous joindre dans fruit, plante pois Grégoire Mendel et puis l'autre échantillon organisme tant que poisson ak bœuf qui pas organisme modèle. Quand coûte et puis mais déjà négocié un maximum 10-15 minutes avec ministre Nesmi qui fait mais pas qu'à montrer nous tout logiciel yo. Mais nous qu'à aller sur site haiti.mit.edu pour nous regarder tout l'autre logiciel yo. Ça m'a rien aimé faire kounier en dernier, c'est partager avec nous quatre idées sur qui Jean initiative MIT haïtien qui collaboré dans implémentation lycée 2.0 yo. Et puis en final n'a pli et puis n'a proué engouement enseignant yo pour méthode participative qui chita sur technologie et puis sur langue maternelle. Ces méthodes ça yo même qui doit entrer dans fondation fondamentale lycée 2.0 yo. Mais qui Jean initiative MIT Haïtia qui a collaboré avec lycée 2.0 yo. 1. Déjà gen 203 lycées dans pays a. Lycée sa yo ta doit servir comme un grand site pour faire initiative la gagner net dans tout pays a pour tout ti moun yo ka joine. 2. Dans initiative MIT Haïtia, nous déjà gen un groupe participant un groupe enseignant local qui finement honnête dans outils avec nouveaux méthodes et yo ka fait formation pour professeur lycée. 3. Directeur lycée ensemble avec enseignant et administrateur qui déjà dans initiative là plus nouveau académie créole là ensemble avec journaliste et l'autre membre de la société civile là ka aider nous faire campagne sensibilisation sur genre technologie et langue maternelle qu'a aidé dans enseignement sciences et mathématiques selon pédagogie participative. Et ça peut aider dans réussite examen officiel et puis dans université, arriver pour nous développer PIA comme ça doit. 4. Et nous t'arrêtons même joindre un espace côté nous qu'à joindre feedback et dialogue dans main directeur et professeur ici autour. Dedans espace ça yo, c'est nouveau bureau MUNFP, MIT, Haïtia, avec série ateliers que nous toujours fait dans le plaza pour initiative MIT, Haïtia. Dans le diapo ça, nous avons un petit échantillon tout petit sur réaction enseignant qui a participé dans l'initiative MIT, Haïtia. En nous lit ça, dit. Première citation dit, les enseignants créoles, Timounio m'a demandé plus de questions. Parfois, ou même senti ou parler trop. Les consa ou retourner dans français pour gagner moins d'interaction dans la classe là. Ça veut dire. Première citation ça montrer à clair que créole là nécessaire pour timounio entrer profond dans méthode participative. On garde deuxième citation. Zoutiyo ka aidé nous faire transition pour nous sortir dans imagination pour nous aller dans aspect visuel conceptio. Malheureusement, tout bagay a fait ak la craie ak tableau. Comme professeur géométrie optique, mwen wè logiciel sa yo ka servi comme un vrai laboratoire pour enseigner kou sa. Bon, nous gagnons dividal l'autre réponse comme ça parce que nous fait sondage après chaque atelier MIT Haïti yo.
Mais qui te cantique prend prière. En nous fait connaissance avec deux enseignants, un garçon voyant et une femme voyant qui a participé dans l'initiative MIT Haïti. C'est la première fois qu'on a eu un effort comme ça. Hein? Pour tout un logiciel, dans niveau ça, dans niveau technologique ça, il faut arriver fait puis on mettait dans créole. Donc la plus accessible, parce que il était clair que moyen que on apprend plus bien, c'est l'on apprendre dans langue maternelle, dans langue maman pas bon. Donc li sorti dans cadre théorique là pour rentrer dans une véritable pratique de laboratoire, même le laboratoire là pas réel. Mais ça l'a fait dans le logiciel, là, c'est un coup laboratoire qui est devant. Donc, quand le professeur vient réaliser qui j'ai un outil ça yo, qui a aidé à former une nouvelle génération de professeurs, maîtres, maîtresses et étudiants, qui a été plus créatif, qui a commencé à faire bon genre de recherche dans sciences et mathématiques, et puis comme ça, il a contribué dans le développement économique pays en tout bon vrai. Dernier diapo ça, c'est un résumé sur le travail que nous allons faire ensemble pour lycée 2.0. Yo. En nous servant avec la langue nationale noire, la langue maternelle timonio, comme fondation solide pour tout timonio qui a joué dans le progrès qu'a fait dans l'éducation moderne. Enseignement moderne ça, chita sous pédagogie participative et puis sous technologie. Et c'est comme ça qu'on a privé créer un bon système d'éducation pour tout le monde. Et ça va aider nous créer Haïti nouvelle. Dans le 21e siècle, qui est un moment historique dans l'histoire nous comme peuple. Merci.